Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est si bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo tag et pas n'importe quel tag parce qu'on va être avec le tag What is my pal, donc qu'est-ce qu'il y a dans ma pal. Et ce tag je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Sayou qui l'a aussi repris d'un compte Instagram, donc je te mettrai tout ça dans la barre d'infos, euh, qu'il a repris d'un compte Instagram en fait, donc au départ c'est un tag Instagram mais elle l'a adapté en version YouTube et je trouve ça vachement plus intéressant parce que je sais que j'ai des désabonnés. Qui ont YouTube, mais qui n'ont pas Instagram. Donc, j'essaye à chaque fois toujours de faire euh, au moins euh, dans versi en version euh, YouTube, justement. C'est pour ça qu'il y avait une fois, j'avais fait une sorte de FAQ tag. Parce que je trouve ça plus intéressant. Parce que YouTube, tout le monde peut l'avoir. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un compte. Même si ce serait bien d'avoir un compte pour pouvoir vous abonner et me suivre. Parce que plus on est nombreux, plus je pourrais faire des choses cool. Euh, mais bon, voilà. Donc, il y a 9 questions. Mais il y en a une, en fait, c'était par rapport au confinement. Donc je vais essayer de voir si je peux la bidouiller un petit peu pour adapter à maintenant. Mais voilà. Alors. Question 1, combien de mangas avez-vous dans votre palle Eh bien, je dirais à peu près, grosso modo, une centaine. Même si j'en ai euh, lu beaucoup avec le confinement, justement, etc. Et depuis, surtout j'ai pompé, en fait, en, du coup, pendant la période de confinement, dans les mangas que j'avais dans ma palle, j'ai quasiment rien acheté. Donc, je sais que j'en ai une centaine, mais tu sais quoi On va aller prendre... Euh, je vais prendre mon téléphone et on va aller filmer ça et compter ça ensemble. Et on va découvrir ça ensemble, mais je pense que c'est moins une centaine. Ça, c'est sûr. Alors... Je vais te présenter juste les titres que j'ai dans la pile à lire dont ce que je n'ai jamais lu et pas les titres que je dois relire parce que ça, que ça compte pas vraiment quoi parce que c'est pas pour tout de suite et euh, je suis pas obligée de les relire, j'ai personne qui m'y oblige alors que les, les, les trucs où j'ai acheté tome 1, 2, 3 etc ça oui Il y a juste, je te mettrai juste une photo là maintenant tout de suite des mangas qui sont avec moi en bas donc là comme tu sais à chaque fois quand je filme dans, dans ces pièces là c'est l'étage et en bas en fait il y a un meuble dans la salle à manger, c'est là où je lis en ce moment mes mangas. Euh, je les lis du coup euh, et je, je me suis fait une petite palle en fait pour la semaine. Donc ça je vais te mettre la photo là maintenant tout de suite. Je tiens à préciser aussi le jour où je filme, on est le jeudi 16 juillet. Voilà, comme ça tu as une date par rapport à toi quand tu vas voir la vidéo. Donc on va compter ça ensemble. Donc on se retrouve ici. et Ça c'est le meuble en fait, tu vois, les commodes que je t'ai filmé pour la vidéo Tech, Donc tu vois en fait au fond. Moi j'avais enlevé les cartons quand j'ai fait la vidéo. Donc j'ai euh, un carton avec rempli euh, d'albums de, de, K-pop. Et l'autre c'est avec du matériel de mangaka. Donc là as toutes mes figurines, c'est pas vraiment très bien rangé, il faut que je réorganise tout ça. Toujours est-il, on est ici avec une petite pile à lire, tout simplement. Ici ce sont les premiers mangas Halloween qu'il faut que je lise, donc là c'est à partir de la semaine prochaine pour moi, techniquement. Ici on a les deux séries qui se sont terminées en juin-juillet que je ne vais pas avoir le temps de lire pendant l'été. Ici on a Konotsuba qu'il faudrait que je lise du coup et que je présente en, en août, je pense, fin août. On a la figurine de Minime que je t'ai déjà présentée il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne. On a les derniers de Chocotan qu'il faudrait que je lise accessoirement pour le présenter au mois de septembre. Euh, Relife, donc c'est juste parce que je vais faire une critique tome 1. Le patron est une copine qui est un one shot que je vais lire dans l'été, mais en fait c'est un manga bouche-trou, donc il est ici. Et euh, Momo le messager du soleil qui est un kodomo aussi que je dois lire. Et donc ça, c'est des trucs à ça de l'été. Ça, c'était juste parce que j'avais plus de place ailleurs, honnêtement. Je ne savais pas où les mettre parce que je voulais vraiment séparer le fait que les séries soient déjà terminées. Je viens de penser que je t'ai présenté les titres, mais on n'a pas compté ensemble. Donc, 1, 2, 3. On ne va pas compter les 4 parce que je les ai déjà lus. Donc, 3, 4, 5, euh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Alors, on continue. Et on arrive avec la pile à lire. Donc là, je te remonte vite fait actuellement où ça en est ici. Comme ça, tu vois. Alors, Foucault, c'est juste que j'ai fait la fameuse photo pour le compte Instagram. En fait, j'avais déjà fait la photo des deux volumes. Mais je n'avais pas la... les photos des pages. Donc c'est pour ça qu'il est là, c'est tout. Et j'ai eu la flemme parce que franchement, pourquoi faire le re-ranger comme il faut Donc ici, c'est la pile 1. Et ici, c'est la pile 2. Et après, donc là, je t'ai déjà expliqué, je fais des vidéos, c'est des séries. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même si lui, je l'ai déjà lu. 9, il faut que je relise. 10, 11, 12. Est-ce qu'il compte réellement 13 Parce que j'ai fait une critique tome 1, c'est pareil, là pour euh, l'exobète, like j'ai fait une critique tome 1. Merde, je ne sais plus où j'en étais.

Donc là on en a 51 sur cette étagère. On a ici donc ça c'est les Halloweenesque. Maintenant tu vois ça a bien dégagé, il n'y a plus rien qui n'est pas Halloweenesque. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pardon. 20 avec des notes. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, sanglaine pire. 43. Je suis en train d'enlever tout avant de continuer de compter. Donc 43, sanglaine pire. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Et pour terminer, 55, 56, 57 Voilà, donc on en a à peu près une 50. Donc comme tu as pu le voir, à l'étage, il y a 124 mangas, donc volume à lire J'ai compté un ou deux que j'avais lu en fait, qui étaient sur l'étagère comme euh, Tenkong, j'ai euh, lu tome 1 mais il y a encore parce que j'ai pas acheté la suite, voilà et il y a donc les euh, mangas qui sont en bas. Donc je te remets la photo. Et c'est tout. Et après, si tu veux voir les titres que j'ai à relire, Donc que j'ai déjà lu au moins une première fois, je t'invite à aller voir ma vidéo Mangatech. Euh, et en fait, au départ, la vidéo Mangatech, en fait, je présente. D'abord, il y a les deux étagères de Yaoi. Puis c'est par ordre alphabétique. Donc dès que tu es à Panini, en fait, à peu près, tu vois, euh, par rapport aux maisons d'édition, dès que tu es à Panini, à peu près, tu vas arriver donc sur les titres que j'ai à relire. Je les ai bien présentés et tout. Et euh, donc, euh, voilà. Mais sinon, h ouais, 125. C'est bien parce que je crois qu'avant le confinement, j'en avais beaucoup plus. Bon, après, il y a eu aussi certains titres euh, où j'ai acheté un peu plus. C'est-à-dire que, comme tu as pu voir, par exemple, il Apprenti Criminel. J'ai tome 2, 3 et 4. C'est parce que je vais les lire pour Halloween. Pareil, euh, Fantasy Daisy Life. Il y a un ou deux volumes. Je, je les ai achetés il y a peu, là, euh, en juillet. Parce que c'est pour avoir, du coup, les titres pour la, une vidéo Halloween. Donc euh, voilà, en gros, grosso modo, j'étais redescendue, je crois, à 20, à 100, à 100, pardon. Et euh, il y en a une vingtaine à peu près qui s'est rajoutée là il y a peu. Ensuite, euh, votre lecture en cours. Donc en lecture en cours, en fait, j'en ai pas réellement parce que là, au moment où je filme, je viens de finir donc ce matin euh, une série, j'en ai pas d'autres en cours. Et euh, ce soir et demain, je vais attaquer Ice Plus, je dois dire, donc, comme tu as pu le voir aussi, tomber du ciel dans, le, dans la fin de la semaine. Ça, c'est obligatoire dans la semaine. Et euh, donc voilà, donc officiellement, non. Je te mets juste une petite image là maintenant tout de suite du moment où je fais le montage, parce que je vais essayer de faire le montage vraiment le, un jour ou deux, tu vois, avant. Ensuite, votre dernier coup de cœur. La fleur millénaire. Je, suis, je sais que c'était dégueulasse parce que c'est un manga qui est stoppé au niveau commercialisation et qui est super chiant à trouver parce que moi, je l'ai vu sur Internet, sur Vinted, à 150 euros. Donc, euh, ouais, c'est un peu abusé, je trouve, mais bon. Euh, voilà, et euh, ouais, mon dernier coup de cœur que j'ai lu, c'est ça. Votre dernière déception. Alors, déception, ouais, oui et non. Mais tu, tu, tu découvriras ça dans la vidéo, du coup. Voilà. J'étais un petit peu déçue dans l'ensemble par rapport aux autres œuvres de l'auteur. Mais je t'explique un petit peu plus ça dans la vidéo, du coup, qui va sortir. Votre prochaine lecture, bah, comme je viens de te le dire, du coup, tout ça. Voilà, hop. Et puis, tu as vu du coup ce qui est sur le meuble, là, le petit tas de manga louinesque euh, où il y avait Shinadark et tout ça. Euh, ça, c'est vraiment mes prochaines lectures du coup la semaine prochaine. Donc, la semaine logiquement où tu devrais voir cette vidéo. Donc, euh, voilà. Ensuite, votre rythme de lecture. Techniquement, de base, c'est un manga par jour. Mais après, il y a des jours où j'en lis deux ou j'en lis trois. Ça dépend. Alors, euh, je vais t'expliquer. Si par exemple, je dois aller sur Bordeaux en voiture avec mes parents un ou deux par an, peu importe. Euh, je vais lire en voiture, donc ça va m'en faire un. Voire peut-être un au retour, tu vois. Ça dépend en fait le, le trajet. Ou la, la lecture, hein, si c'est plus rapide ou pas à lire. Ensuite, si je vais à ma psychiatre, pareil, ça à plus d'une heure de voiture de chez moi. Donc, euh, je vais en lire presque deux ou deux. Si je suis chez moi et c'est une journée standard, principalement j'en lis un. Ça peut arriver que ça soit deux, mais c'est voilà. Et après, pareil, quand on part en vacances quelque part, euh, bah, quand on part jusqu'à Toulouse ou quoi, que je suis à commencer en Toulouse, bah, je lis deux bouquet quasiment, voire trois, en allant à Toulouse, euh, trois au retour, un peu le soir. Tu vois, il y a des conditions comme ça aussi qui permettent, parce que oui, j'arrive à aller en voiture, surtout quand je suis à l'arrière. Ensuite, euh, euh, comment organises-tu euh, votre pile à lire? Bah, comme tu as pu le voir, il y a une étagère standard, truc normaux, et une étagère maintenant, totalement. totalement. Il y avait quand même pour la Beer in Love. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait quand même pour la Beer in Love sur l'étagère Halloween. Voilà, j'y sais rien, mais en fait, euh, ouais, je sépare Halloween-esque et le reste. Le reste, je m'en fous de l'organisation. Je aucun rangement très clairement. Un temps, je me... Si, principalement, la première partie, souvent, je me mets à gauche. Comme tu as pu le voir d'ailleurs sur ma vidéo Rangement Manga Tech où tu voyais les euh, Fantasy Lazy Life par exemple et euh, Danganronpa allongé. Ce que j'aime bien mettre en haut à gauche, du coup, sur la première ligne, c'est ce que je vais lire prochainement. Donc là, c'est jusqu'à par exemple le manga en 4 tomes, là, tout ce qui était caché derrière le manga en gros. Les mangas allongés, les yaoi et tout ça. Et euh, après en bas, euh, enfin en bas, la deuxième ligne, la ligne à l'ONS, je me mets... À l'arrière, ce que je n'aurais pas le temps cette année de m'en occuper, donc on les cache, on ne les regarde pas. Et devant, je me mets ce que je vais lire du coup. Donc tu as vu les titres que je vais te présenter du coup cette année pour octobre. Donc n'hésite pas surtout s'il y a un titre en particulier que tu as vu là dans la... Je te remettrai peut-être les images. Vite fait. S'il y a un titre vraiment Halloweenesque que tu as vu là sur la première ligne que tu veux que je présente le plus tôt possible, dis-le moi, parce que c'est maintenant ou jamais. Enfin, le plus tôt possible en octobre. Mais voilà. Toujours est-il. On va être trop prendre parce que là, ça fait 9 minutes, puis ouais, ça va faire un peu long. Une relecture de prévu. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo manga -tech, euh, sur les éditions Soleil, par exemple, il y avait pas mal de titres que je pourrais relire éventuellement. Donc euh, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de titres que je veux relire, tout simplement parce que... Alors euh, et pour moi parce qu'il y a des titres où je ne sais plus trop ce que j'en ai réellement pensé et qu'il y a un titre ou deux où euh, à l'époque où je les ai lus j'étais encore jeune et naïf et euh, donc il euh, y a des trucs en fait que je, plus ou moins accepté, mais que maintenant j'accepterais même plus hein, quand je vois par exemple le mon gars lui ou rien où à l'époque je l'ai kiffé mais de ouf ce titre et que maintenant je suis en mode euh, nope Nope, <laughs> non, euh, même pas en rêve. Donc, euh, voilà, j'ai envie de les relire pour euh, voir une version un peu plus ibi e adulte. Hein, parce que maintenant, je suis quand même plus de l'âge... adulte. <laughs> du coup, ouais, voilà, il y a pas mal de relectures. Puis, il y a des titres, en fait, où, euh, très clairement, euh, bah, je me rappelle de certaines choses, mais pas vraiment de tout ou de certains détails que j'ai oubliés des trucs importants et euh, voilà et surtout parce que comme ça ça me permet aussi j'ai très envie aussi de les relire pour pouvoir t'en parler parce que ce sont des mangas où je n'ai pas fait de vidéo par exemple ceux que j'ai lu avant YouTube et euh, j'ai très envie en fait de pouvoir te parler et que tu aies des avis sur tous les mangas parce que je me dis que peut-être qu'un jour toi tu vas aller aussi dans une boutique de mangas d'occasion tu des titres que du coup on ne retrouve pas techniquement sur YouTube parce que les autres, principalement, je dis les autres entre grands guillemets, parce que très clairement, Masga il présente surtout des séries terminées, stoppées et compagnie. Dragmar en présente aussi. Je crois qu'Erwan aussi, manga, on a un peu rien à foutre que ce soit un titre récent ou un vieux titre. Euh, ouais, Erwan aussi. Et l'envers du manga, il présente aussi pas mal de vieux titres ou de titres moins hypés, maisons d'édition moins connues, Casterman, tout ça, tout ça. Et Ouais, j'ai fait, tu vu, j'ai fait ma petite, mon petit côté pub pour tous les collègues que je suis enfin, pas tout le monde, mais bon, une bonne partie. Et euh, du coup, je me dis que bah, moi-même, hein, quand je suis devant un manga, je me dis, ah, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Alors, comme j'ai mon copain Dragmar qui, mon petit démon, du coup, qui a lu presque pas tous les mangas, mais qui a quand même une bonne collection, je crois qu'il est à quoi 8000, 9000 maintenant, 9000 mangas, je me dis à chaque fois, j'envoie un petit message, Dragmar, t'as un avis dessus s'il te plaît parce que j'aimerais bien l'acheter mais j'hésite et il n'y a pas trop d'avis sur internet de ce genre de titre, alors euh... et lisez vous pendant le confinement Bah oui j'ai lu pendant le confinement j'ai pas pu lire autant que je voulais parce que au tout début du coup comme vous l'avez su sûrement euh, j'avais mon neveu et ça a été très très compliqué parce que tant parce que c'est un moment où j'ai commencé à lire du coup dans ma chambre mais quand tu as des hurlements d'un mioche qui va avoir 4 ans hein, en décembre euh, parce que Pika, ma chienne, est après lui, il veut juste lui faire des câlins et des bisous, mais lui du coup, il veut pas trop et tout ça. Donc ça hurle. Euh, je va être concentré comme ça. Et il euh, y a eu deux ou trois petits moments aussi euh, le moral qui a été down parce que euh, complètement bas parce que très clairement, en fait, plus je me rapprochais de ma date d'anniversaire plus je visualisais cette histoire de ne pas être avec ma chienne Pandit. Et en plus, j'avais cette histoire, euh, je, grosso modo, d'amitié toxique. J'en ai, géré trois quand même. Hein, je, je précise, hein, il y avait trois amitiés toxiques à gérer en même temps. Euh, ça m'a pris, mais ça, ça m'a gonflé. Donc, euh, j'ai profité du confinement pour me débarrasser de tout le monde. Voilà. Toujours dit. Oui, j'ai lu, mais pas autant que je voulais. J'aurais voulu faire plus. Euh, euh, honnêtement, j'avais l'objectif de deux mangas par jour, voire deux et demi, mais j'ai pas pu. Honnêtement, j'ai été très déçue de ça, et j'espère que si il y a un deuxième confinement, je dirai beaucoup plus. Voilà, je serai beaucoup plus productif au niveau lecture. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. tech. j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas donc à liker, commenter ou même partager la vidéo. N'hésite pas à répondre à toutes les questions. Je te les remets dans la barre d'infos. N'hésite pas à répondre à toutes les questions et à me dire du coup tes réponses. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye.